Oui, allô, bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, je m'appelle Linda. Linda est votre prénom. Linda, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 31-03-78. 78. Linda, j'ai bien noté, quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question se porte d'un point de vue sentimental, donc si vous pouvez me donner des petites indications pour mon avenir sentimental, ça me ferait plaisir. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que l'on regarde par rapport à un prénom? Éventuellement, oui. Allez-y, donnez-le-moi. Michael. M-I-K-A-E-L. D'accord. La date de naissance de Michael, si vous l'avez? Le 17-01-79. D'accord. Déjà, le premier sentiment que je peux avoir, c'est qu'il y a un lien qui commence à se former entre vous. J'ai l'impression d'un Michael qui est beaucoup plus en retrait que vous ne souhaiteriez, mais que néanmoins, il continue un petit peu à être présent dans votre vie. Je pense que c'est une habitude chez Michael. Je pense qu'il est naturellement comme ça. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui rentre dans une histoire sentimentale et qui la vit avec autant d'emphase et autant d'enthousiasme que vous le souhaiteriez. J'ai plutôt le sentiment d'une histoire qui est là, qui existe, certes, mais qui, par contre, va avoir besoin de temps pour que cette même histoire s'épanouisse. Oui. Il ne peut rien se passer d'important, pas avant les 6 à 9 prochains mois. Je m'explique. C'est-à-dire que la relation peut continuer, mais que vous soyez dans une certaine frustration par rapport à ce que vous espérez, mais qui n'est pas forcément du même domaine que ce que lui peut vous donner. Je pense qu'à partir du moment où vous arriverez un petit peu à faire coïncider le rythme qu'il met dans cette histoire avec les ambitions que vous pouvez avoir, je pense que vous serez aussi à la fois aussi heureuse que lui peut l'être. C'est-à-dire que, a priori, il n'a pas d'a priori sur une relation avec vous, de quelque nature que ce soit. Le temps est en train de passer, il s'attache à vous, c'est indéniable. Mais qu'il y a en même temps chez lui, une chose est sûre, il n'ira jamais plus vite que ce que son cœur lui impose de faire ou de ne pas faire. Donc, vous êtes dans une position où c'est vrai que la relation existe, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous, quelque chose qui vous retient à lui, et il en est de même de son côté, mais que prendre un engagement, aller vite, commencer à parler de futur d'une manière construite, d'une manière concise et exacte, c'est vrai que pour l'instant, ça n'est pas sa priorité. Et encore une nouvelle fois, je tiens à vous dire, c'est pas parce que c'est vous, hein. C'est dans son tempérament, voilà. Dans sa vision de la vie, en fait, sa façon de vivre sentimentalement les choses, en fait. C'est dans sa nature, on parle bien de la même personne. Donc, sincèrement, j'ai plutôt un sentiment, moi, de compatibilité entre vous, très honnêtement. Je crois même qu'il commence vraiment à être amoureux de vous, évidemment. Mais qu'effectivement, comme c'est quelqu'un qui a une certaine pudeur par rapport aux mots, par rapport aux phrases, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il préfère aller beaucoup plus doucement et vous en parler un petit peu par petites bribes, par petites touches. Je le retrouve tout à fait, en fait, dans votre explication. C'est exactement, il est dans la retenue. Et c'est vrai qu'il peut avoir des sentiments, mais c'est peut-être par timidité, quoi. Il a du mal à exprimer ses sentiments, bien qu'il affirme qu'il a énormément de sentiments. Mais sur la qualité des sentiments, je n'ai absolument aucun doute, Linda. Je n'ai aucun doute. Vous confortez des choses que je pensais, mais venant de votre part, donc ça me conforte encore un petit peu plus et ça me rassure d'autant plus. Non, Michael, je suis convaincu que vous ferez un bout de chemin avec lui. Je suis convaincu qu'en même temps, c'est quelqu'un, le jour où il aura passé un petit peu cette mue qui est la sienne, c'est quelqu'un qui peut vous apporter ce que vous attendez, c'est-à-dire de l'amour, des attentions, un avenir. Là-dessus, j'en suis persuadé. Ça va être votre triple A à vous, quoi. Amour, avenir et affection, mais le triple A. Mais je suis convaincu qu'il ne jouera pas de vous.
Mais, de toute façon, j'en suis persuadée dans le sens où là, pour l'instant, j'ai atteint le double A, puisque aujourd'hui, je vis avec lui, puis je suis l'heureuse maman de deux enfants. Donc, il me comble à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est la complicité vis-à-vis de notre couple. Donc, c'est le fameux troisième A qui me manque. Il viendra Et vous me rassurez en me disant que de toute façon, il y a une compatibilité entre lui et moi. Donc, vous me rassurez énormément. Donc, de toute façon, ça me laisse que présager un bon avenir. Voilà, ne vous inquiétez pas, laissez-le venir à vous, à son rythme. Lui, vous ne le regretterez pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'étais ravie de faire votre connaissance, Linda. Je croise les doigts, je vous souhaite plein de bonheur. Et embrassez vos enfants, en tout cas. À très bientôt. Merci et bonne continuation à vous. Merci, Linda. Au revoir.